Transformation Ikala Lagos. Ce matin, nous sommes avec une délégation composée de des membres du département de l'administration territoriale et des collectivités, à savoir monsieur le conseiller technique du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Abdoulaye Mahaman, et le chargé de mission au cabinet du même ministère, et aussi le directeur général des collectivités territoriales. Cette visite, c'est dans le cadre du projet Malico, financé par la coopération japonaise, et le projet Le projet a choisi deux régions, à savoir la région de Ségou et la région de Sikasso. Et à Sikasso, il y a certaines communes qui ont été choisies dans le cadre des visites et des échanges. Ensuite, aujourd'hui, la délégation a choisi de visiter certaines unités de transformation dans la ville de Sikasso. Au programme ce matin, le président du conseil régional va prononcer le mot de bienvenue. Ensuite, suivra l'intervention. Bonjour, bienvenue à l'unité du travail de Bosse, c'est une unité qui transforme le soja dans la France de la forme. Cette unité a été mise en place dans le cadre. C'est Dinder qui a financé, qui a permis au conseil de la défense cette unité dans le cadre de la promotion de l'État et du cadre régional. La volonté, c'est là, après vous avez vu la promotion de l'unité. Nous avons construit l'unité ici. On a mis en place vraiment cette infrastructure. Effectivement, je crois que c'est venu, c'est la promotion qui a payé parce que dans le volonté, pas permis d'acheter, donc tout ce qui est permis par la loi, c'est un matière première. Mais c'est déroulé quand même à équiper son entrée différemment de machines pour la transformation du soja, des produits surtout des huiles et des totaux, d'autres produits dérivés. Actuellement, les difficultés qu'elle avait au niveau du conseil régional, c'était surtout les consultations. Donc nous sommes dans cette dynamique. Je crois que le point est presque arrivé ici. Est déjà là, il reste seulement trouver un compteur pour qu'elle soit branchée sur le réseau IDEM en Sikasso. Pour rappel, les IDEM est un guichet qui permet la création des entreprises, la création de l'emploi et la création des richesses. Donc, comme vous le voyez, tous ces dames qui sont en vert terrain ici sont les employés de l'unité. Donc ça, c'est déjà un des objectifs atteints du programme qu'on a mis en place pour accompagner Elia Pieta avec son unité. Nous en remercions beaucoup, c'est une femme qui se bat, beaucoup, elle se bat vraiment. Et nous l'avons dit que le conseil est aussi engagé et prêt aussi de l'accompagner vraiment, pour avoir une bonne réussite quand même dans son entreprise. Je vous remercie. Bonjour, madame la promotrice. Ce matin, on se trouve ici dans votre unité de transformation dans le cadre d'une mission d'échange d'expérience sur les bonnes pratiques en matière de développement économique et régional. Et en la matière, on sait que le développement économique et régional ne peut se faire sans l'implication des unités de transformation. Parce que ces unités aussi constituent l'aide des leviers du développement économique.
économique régionale et locale. Les régions qu'on a choisies dans le cadre de cette mission de partage d'expérience, d'échange d'expérience, c'est notamment la région de Cebu, où on a eu également à visiter certaines unités industrielles. Et depuis le 1er février, on est en région de Sikasso. Aujourd'hui, c'est pratiquement la dernière journée de la mission. On a décidé de finir l'étape de Sikasso à travers cette visite au sein de votre unité de transformation pour nous permettre, nous aussi, à notre retour dans nos localités respectives, de voir en partenariat avec les acteurs, tous les acteurs concernés, ce qui pourra être fait chez nous aussi pour tenter c'est la même expérience que vous avez ici. Et je tiens aussi à transmettre les félicitations et les encouragements de la délégation. Nous sommes très fiers que ce soit une femme qui soit promotrice de cette unité de transformation, ce qui veut dire que les femmes ne sont pas et ne resteront pas en marge du développement de notre pays. Cela, c'est à votre honneur. Donc, vous en soyez vivement félicités, chaleureusement remerciés. Donc, sur ce, je pense que je vais passer la parole aux autres membres de la délégation pour leur permettre de se présenter. Moi-même, c'est Abdel Wahman, je suis conseiller technique au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Merci bien. Pour le tour, les restes là, il faut les laisser. C'est pas intéressant. Alors, c'est Nitolo. Bonjour, moi je m'appelle Dara Kanimé de la commune de Djoga, de trouver une dame promotrice de cette unité. Donc vraiment tous nos encouragements et félicitations. Le secrétaire général, conseil régional de Le secrétaire général du conseil régional de Sébu. Je vois que les situations nous rendent depuis janvier difficile notre mission parce que nous avons un objectif. Nous le faisons en 2030, nous faisons des cibles de la capitale économique du Mali. Mais avec tout ce qu'il est en train de faire là, je crois qu'on est averti maintenant. Bonjour, le secrétaire général de la famille. Bonjour, Yann Mandela, secrétaire général du conseil régional de Sébu. Bonjour, moi c'est Kali Libran, maire de la commune urbaine de Niré, région de Tambo. Bonjour tout le monde, moi c'est Kone Emmanuel, maire des districts de Mamako. Bonjour. Bonjour tout le monde, moi c'est Yaya Ousmane, je suis conseil technique chargé de développement économique au conseil régional de Tambourtou. Bonjour tout le monde, moi je suis Laura Yoro, je suis agent en gestion des maires de la ville territoriale. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Diarra, je suis chef de division au conseil de la direction régionale de la ville de Sikasso. Et je remercie infiniment madame, vraiment le président de tous, elle est vraiment marrante. Toutes ces certifications sont faites au niveau de la région régionale de la ville de Sikasso, au niveau de notre division conseil et de notre division phytosanitaire. Chaque année, on fait des échantillons, on envoie la pause,
Bonjour tout le monde, moi c'est Bala Maripo, direction générale de la collectivité culturelle. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Agissa Galbsini, direction générale de la collectivité culturelle. Bonjour tout le monde, moi je suis Mohamed Mama, secrétaire général de la première d'Anna, Sapu Lévié. Bonjour, moi c'est Moussey Alpha Sissé, secrétaire général de la communauté de Boulogne, c'est la Sapu Lévié, région de Tomas. Bonjour, je m'appelle Moussey Alpha Sissé, je suis à la direction générale de la collectivité culturelle. Et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci. Bonjour, je suis à la direction générale de la collectivité culturelle. Bonjour tout le monde. Direction générale des collectivités territoriales. Allez, Iqbal, allez, va amener. D'accord. Bonjour. Je me nomme Yahoua Traoré, je suis maire de Tarango et président de l'association des municipalités du Mali. Félicitations, madame. Merci. J'espère bien que tous ces conseils-là, on les fait avec l'université. Bonjour tout le monde, je suis ici au Berté. Je suis le chef des sections aménagement hydro-agricole à la direction régionale du Jura de Sigasso. Kapo yana ekele bugentaro na sro kapo jira ma awe masaku kwa babu jira fe mo nga nyi nga kwa mfarawa na kwa ma fa be fa ya bicha na okay akian je prema mere konta mba ya ni kwa mkono mba nje na sega fe kwa tu ni me me fodi kere kere ni na si anga jama ya mambo alaka jama na Donc, on a un intérêt pour
je dis là, quand papa a dit là, parce que je suis tellement fière d'être là parmi vous aujourd'hui, étant femme promotrice, que tout le monde sait ce qu'est l'État. Donc, Kedara Negos est composé avec aussi, j'ai une amie de longue date à Abidjan. Vraiment, me fout de Kerengren Nassama, elle est de Dieu, mais on était ensemble dans la migration. Comme moi, je suis retournée avec un peu d'espérance pour développer, je la sollicité aussi de faire un pied dehors, un pied dedans. Parce que tous les Maliens qui sont en extérieur, je suis immigrée de retour, je les encourage de revenir avec l'espérance, même pas l'argent, on a besoin de leur espérance pour développer ce pays. Parce que l'idée qu'elle a aujourd'hui, vraiment, on est fiers de notre présent. On est très fiers de lui avec ses colonels qui n'ont ménagé aucun effort aujourd'hui pour la fierté du Mali dans le monde entier. Donc, on est beaucoup et on est derrière eux jusqu'au bout. Inch'Allah. En ce moment, il y a un marqueur de façon bonne. Donc, on a mis pour lui dans la glace à une salle par la dame depuis Kourouk. Ça va avoir un poids Abidjan. Mais le président, vice-président aussi, c'est une femme battante, une vice-présidente des artisans de la Côte d'Ivoire. Une ferraille, première ferraille du Mali de la Côte d'Ivoire, des femmes africaines aujourd'hui, elle a fait. Donc, je vais la laisser aussi présenter parce que c'est mon collaborateur, c'est mon partenaire, c'est mon ami de longue date, c'est ma sœur. Donc, elle va se présenter aussi. Merci. Je suis la rapporteure de Gouna Miata. Je suis originaire du Timo. Je suis aussi moyenne, mais la région malienne. Et je suis fière aussi de pouvoir avoir ici mon grand-père, puisque ma mère, ma grand-mère vient de Dieu, de Kanye, de son village. C'est vrai. Donc ma mère et ma grand-mère est Kanye. Oui, oui. Je vous remercie, je vous remercie. Toute la délégation ici présente qui ont apporté très grande importance à ma camarade Kémika, qui est une camarade depuis plus de 30 ans, nous sommes ensemble. Nous avons travaillé en Côte d'Ivoire ensemble, au Mali. Et j'ai suivi toute cette accueil qu'elle a fait au Mali jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, elle a tout suivi à ce que je viens aussi pour changer nos expériences par rapport à notre pays. Je veux dire de venir depuis 5 ans, je n'ai pas le temps. Dans cette année, j'ai décidé de venir pour le politique, pour que nous mettons ensemble nos expériences pour le pouvoir de notre pays. Pour que nous puissions dire que nous menons la vie à la société. Donc, une violence, c'est vrai que je suis une des femmes plusieurs de la Côte d'Ivoire. La première fois que j'ai en Côte d'Ivoire, j'ai été reconnue plusieurs fois par l'Allemagne, le Maroc et les États-Unis, concernant les femmes qui travaillent dans le corps des hommes. Et j'ai été primé plusieurs fois par la France concernant les femmes qui seraient dans le secteur des femmes. Donc j'ai été la première fois en France. Maintenant je suis moi-même du ministre de la Présidente. Je suis président de la Chambre nationale des régimes de Côte d'Ivoire. Je suis président que le journal de la Présidente de la Présidente de la Présidente de la Présidente de la puisque ce secteur peut vraiment aider beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes à avoir des métiers, ce qui n'est pas vraiment quelque chose à négliger. Donc je remercie encore cette délégation qui porte de l'importance en tout cas les femmes, ou à les leaders qui veulent vraiment aller de l'avant et qui veulent vraiment aider les femmes et les enfants de ce pays. Moi en tout cas, c'est une fierté pour moi de voir cette grande délégation. C'est
acteurs ici de Mali aussi pouvaient vraiment avoir une telle importance à l'égard des personnes qui sont vraiment décidées à mettre l'avant dans leur pays. Donc je vous remercie. Je suis fière de cette invitation. J'encourage encore l'État à faire encore mieux. Puisque, avec toutes ces délégations qui sont déplacées, à sa personne, moi, je vais faire un plus que. Il va faire des aides à sa chose.
Pour que ma nutrition casse la tête, c'est la seconde. Donc, en niveau de temps, aujourd'hui, on a 30 personnes pour à la chose, 30 personnes qui sont là, qui travaillent pour Kédra Néros avec Sébolenka, et 127 coopératives aujourd'hui pour la production de soja aujourd'hui, pour qu'on puisse aller de l'avant. On fait beaucoup de choses, après on va voir ce qui est là. Mais vraiment, le défi qui est sur le soja, il faut qu'on trouve solution avec les maires pour que nous, la matière première, ça reste au Mali. Toutes les matières premières locaux, ça reste. Il y a des filières aussi qui sont en Mali. C'est très important qu'on a appelé. Donc, aussi, on va voir comment développer ça. C'est tellement riche, mais le Mali n'a pas. Les anciens produits qui sont élevés comme le wangu et autres, exemple comme ça, et qu'on peut s'arranger parce que ce sont des choses qui soignent. Au lieu d'aller chercher des produits chimiques pour venir, il faut que des produits qui donnent de la valeur, de la nourrir nos enfants et nos personnes âgées. Donc il faut qu'on donne la main pour développer ces filières. Donc je vais laisser la parole à beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui vont aussi nous aider à ressortir les mots clés qui peuvent nous aider aujourd'hui pour le développement des produits locaux. Merci. D'accord. Merci, madame la promotrice. Alors, nous avons. Pour que nous
ça c'est la marche. Les difficultés des grands. Et dans sa forme, tant qu'il n'a pas appliqué un GS de vie de Dieu, pour avoir la carte parce que nous voulons une enfant, pour avoir la carte. Est-ce que c'est vrai?
Donc c'est ça qui est la première des choses. Donc le matériel vient après. On peut visiter d'abord. Yeah.
Sur terrain nous a permis de constater, de viser de très près les très bonnes réalisations faites par les collectivités territoriales grâce aux bonnes pratiques qu'elles ont su développer. Et ces bonnes pratiques ont considérablement amélioré les conditions de vie des populations et ont contribué également à renforcer la confiance des collectivités territoriales visitées. Donc, l'occasion de féliciter et d'encourager les responsables de la collectivité territoriale que nous avons eu à visiter et par la même occasion inviter les autres collectivités territoriales à venir s'inspirer de ces collectivités territoriales qui ont pu réussir ces très belles expériences grâce à ces bonnes pratiques qu'elles ont aussi développées. Grâce à la contribution de laquelle cette mission a pu s'effectuer dans la région de Sud et dans la région de Sikasso, avec bien sûr l'accompagnement de l'Agence japonaise à la coopération internationale, la JICA, à travers le projet Maliko, projet de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Dans le cadre de cette visite qui est à sa fin, pratiquement, qu'est-ce que vous avez le plus marqué? C'est très difficile de répondre à cette question. C'est perplexe. Dieu sait que les réalisations qu'on a vues sont vraiment un enseignement. C'est ce que je peux dire. Sinon, si vous me dites qu'est-ce qu'il y a le plus marqué, je dirais non. C'est des réalisations qui sont importantissimes, si vous me permettez l'expression. C'est comme des réalisations qui sauvent des vies,
toute une population. Thank you.